J'aimerais aussi remercier les instituts qui ont invité le président de la CFHTB à leur congrès et réunion. En 2021, Hugues et Frédéric Honoré pour les journées d'hypnose de Biarritz. En 2022, Éric Bardot avec Mimétis, Claude Viraud avec Hermargence à Saint-Malo. Inviter le président de la Confédération, sans que cela soit une obligation. C'est un honneur et un plaisir pour lui, mais c'est aussi donner à la manifestation organisée pour les autres intervenants, pour les participants et pour les médias, un retentissement allant au-delà de la seule manifestation locale. Enfin, parmi les tâches encore à accomplir, il reviendra au prochain bureau de préparer le dossier de candidature voté l'année dernière pour l'organisation en France du congrès européen de la Société européenne d'hypnose de 2026. Je me dois de remercier encore et encore tous les membres du bureau qui ont fait un travail considérable dans une ambiance conviviale et sereine durant cette année. Je le ferai par ordre alphabétique des prénoms, pour changer un peu. Antoine Collin, qui n'est pas avec nous, souffrant, qui a préféré rester à distance. Christian Schmitt, Flavie Dorin-Gotcho, qui va arriver, si elle n'est pas arrivée encore, qui va arriver. Joël Mignot, Marie Arnaud, qui m'a indiqué qu'elle ne pourrait pas venir, souffrant. Nicolas Gouin, et enfin une mention particulière quand même à Régis, et auquel Régis Dumas, voilà, qui a été vraiment très présent jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse organiser les choses de manière tout à fait satisfaisante, auquel j'associerai Charles Jousselin, Éric Gibert, Marco Clop, Pierre Castello, qui, bien que non membres du bureau, ont beaucoup œuvré pour notre confédération. Enfin, à titre personnel, un grand merci pour m'avoir permis pendant 4 années, d'abord comme secrétaire général, puis comme président, d'avoir pu mieux comprendre la complexité et la richesse de cette confédération et de l'avoir servi du mieux que j'ai pu. J'aimerais terminer en paraphrasant Dostoïevski. L'homme est un mystère. Il faut l'élucider. Et si tu passes à cela ta vie entière, ne dis pas que tu as perdu ton temps. Alors en tentant d'élucider le mystère et la complexité de la CFHTB, je peux aussi dire que je n'ai pas perdu mon temps. Merci, merci beaucoup à vous tous pour cette opportunité. Et donc je vais demander à l'un des membres, celui qui a été élu président ou celle qui a été élue présidente, de se lever et de nous faire part des résultats. Voilà, alors on va faire comme au perron d'Élysée. Je suis très heureux, là maintenant tu passes. Et voilà, bon courage. Merci à toi. Bravo. Qui est secrétaire, qui est un programme de programme. Christian, tu donnes le micro à Pierre. Oui, donc je serai bref parce qu'il est l'heure pile prévue. Je voudrais quand même commencer par dire que je suis ému, fier et ému de la confiance que vous me faites. Et croyez-moi, je vais faire en sorte d'en être digne. Je ne suis pas très inquiet parce que j'ai une dream team et on est déjà tellement ça a déjà tellement bien fonctionné qu'on était quasiment déjà en train de commencer un bureau là-haut. Voilà. Donc Marie-Noël a accepté bien volontiers d'assumer le rôle de secrétaire général. Je pense que c'est un bon boulot. Tout le monde était d'accord sur le fait que, effectivement, on est aussi très en sécurité de savoir que Christian va continuer de jouer le rôle de trésorier. Et donc, on a commencé à réfléchir à qui fait quoi et aux axes. Laissez-nous un tout petit peu le temps d'affiner, mais on a déjà des pistes. On a effectivement la chance que Marie-Jeanne soit là et va peut-être incarner la dimension internationale et francophone. Joël a accepté d'apporter son concours en tant que
secrétaire adjoint si besoin en cas de difficulté. Enfin, on n'en a pas encore assez parlé, il faut le revérifier, mais c'est un peu une idée. Et puis, voilà, je pense que tout le monde va y trouver sa place. En tout cas, moi, j'ai aucun problème à déléguer, au contraire. Et je pense que dans 2 ans, il y aura des résultats concrets. En tout cas, merci. Maintenant, il y a une photo.